biologistes, infirmières. Ils sont une quinzaine de salariés dans ce laboratoire d'analyse. Mais pour combien de temps ? L'assurance maladie annonce pour 2020 une réduction de 170 millions d'euros des dépenses affectées à la biologie médicale. Un effort insoutenable pour la profession. Ce n'est pas la première année qu'on nous fait des baisses. Donc on a réussi jusqu'à présent à nous adapter. Et il y a un moment, si on devient, si ce n'est plus rentable, et ben, on va être obligé d'arrêter. Installez-vous. Soumis à une politique d'économie depuis 10 ans, les laboratoires de biologie médicale redoutent de devoir réduire leur masse salariale. Une présence qu'ils estiment essentielle pour recueillir des informations sur le patient. C'est parti. Ça va ? Oui, ça va. C'est vrai que c'est souvent un moment fort aussi. C'est surprenant, c'est très rapide, mais on a quand même le temps de se dire des choses très, très profondes souvent. Souvent. Mmh. Et ces informations sur la santé des patients, elles permettent d'établir des analyses plus fines que celles réalisées par les automates des laboratoires industrialisés. Moi, j'ai à cœur d'être présent à la fois au moment du prélèvement, de façon à pouvoir connaître les pathologies, les traitements, éventuellement mettre un visage sur les dossiers que je pourrais valider après dans l'après-midi. Pour pouvoir analyser de façon plus pertinente le dossier dans son intégralité. Pour protester contre les mesures d'austérité imposées par l'assurance maladie, l'ensemble des laboratoires d'analyse médicale est appelé à fermer ses portes chaque après-midi entre le 23 septembre et le 1er octobre.